3000. Soyez up to date de toutes les activités de l'Église. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Toute l'actualité de l'Église. Suivez ma journée sur les ondes de la radio Respiration FM. Maintenant, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'actualité de l'Église à travers le monde. Nous allons en Indonésie. Les attaques à caractère religieux ayant cours dans la province de Java Centre sont en relation avec l'inaction de la police le 2 juin devant les journalistes accueillis dans son palais de Yogyakarta. Le sultan et gouverneur de province a dénoncé l'incapacité de la police à empêcher la répétition d'attaques visant les lieux de culte chrétiens. En effet, dans cette région où règnent habituellement de bonnes relations entre communautés religieuses, deux incidents sont survenus en 8 jours. Le 29 mai, une réunion catholique a été interrompue par un groupe d'hommes à moto et 7 personnes ont été blessées. Les assaillants sont revenus saccager les lieux à coups de briques et de barres de fer. Et le 1er juin, des membres de groupuscules islamistes radicaux caillassaient une église pentecôtiste. Une résolution du Conseil de l'Europe passée inaperçue parmi les chrétiens s'en prend à toute idée d'un créateur au moment des origines. Pierre Hamé a entrepris une thèse pour voir quelle idéologie et motivation se cachent derrière ce texte. Les valeurs qui sont l'essence même du Conseil de l'Europe risquent d'être directement menacées par les intégristes du créationnisme. Aux yeux de Pierre Hamé, cet article, le 18 de la résolution 1580 du Conseil de l'Europe de 2007 donne le ton de la politique européenne. Très perplexe, cet ingénieur devenu pasteur réformé, conférencier sur des questions scientifiques, prépare depuis 3 ans une thèse à la faculté Jean Calvin avec le professeur Yannick Imbert. Son objectif, voir quelle idéologie sous-tend cette résolution intitulée « Danger du créationnisme dans l'éducation » et quelles en seront les conséquences sur le monde chrétien. Vous êtes branchés sur la zone de la radio Respiration. Nous allons, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, observer notre pause publicitaire sur cette longueur d'onde. Et puis, dans un instant, nous serons de retour avec d'autres informations sur les ondes de votre station de prédilection, Radio Respiration. Gardez l'antenne. Signe qui montrait que Jésus pas loin pour le tout neuf. Chrétien, jour nous t'attendons d'arriver dans le South Bay de Senior High School, sauté 22 pour 29 juin 2014, à prédicateur Feniton Jacquet. Nous parlons tout signe qui montrait que Jésus pas loin pour le tout neuf. Groupe Symphonie Angélique Valla pour nous mettre dans l'ambiance adoration sans pareil.
mettez l'huile dans notre nom pour le 7h39 ouais. Non, South Dead Senior High School, sorti 22 pour le 29 juin 2014. Des Picounia, Association des Pasteurs de Homestead, abdi-nous toutes, bienvenue. Offre de l'offre, sans limite, sans limite. 3000, soyez up to date de toutes les activités de l'Église. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. C'est Jésus qui vit en moi, en moi, en moi. 3000, toute l'actualité de l'Église. C'est Jésus qui vit en moi, en moi. Vous êtes branchés sur la zone de la radio Respiration, votre station prédilection. Je vous le dis en titre, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le pape François Ier est en train, n'est-ce pas, de faire des réformes administratives au niveau des finances. Et il a licencié des personnes qui se trouvait dans l'administration financière au cœur même du Vatican. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous offre maintenant la chanson du jour. La chanson du jour, c'est une note que Mistadol va nous offrir. Appelle-moi, le numéro de notre téléphone, c'est le 786-414-6878. Appelle-moi, c'est une jolie chanson que nous dédions à tous les membres de la première église baptiste de Port-au-Prince. Et nous saluons le pasteur Mathieu, qui écoute certainement Radio Respiration. D'ores et déjà avec cette note, je vous souhaite de passer une bonne journée et sur nos ondes. Bougez votre corps avec une bouffée d'oxygène. Vous écoutez Respiration FM. C'était pour la présentation de l'émission Ma Journée Emmanuel Élisée. Nous reste, je vous souhaite de passer une bonne journée. À demain sur cette même longueur d'onde. Bye bye.
Jésus-Christ selon Matthieu. Chapitre 1. Voici la liste des ancêtres de Jésus-Christ. David est l'ancêtre de Jésus-Christ. Et Abraham est l'ancêtre de David. Abraham est le père d'Isaac. Isaac est le père de Jacob. Jacob est le père de Judas et ses frères. Judas est le père de Pérès et de Zéra. Leur mère est Tamar. Pérès est le père d'Esron. Esron est le père de Ram. Ram est le père d'Aminadab. Aminadab est le père de Nachon. Nachon est le père de Salma. Salma est le père de Boaz. La mère de Boaz est Rahab. Boaz est le père d'Obed. La mère d'Obed est Ruth. Obed est le père de Jessé. Jessé est le père du roi David. David est le père de Salomon. La mère de Salomon était la femme d'Uri. Salomon est le père de Roboam. Roboam est le père d'Abia. Abia est le père d'Asa. Asa est le père de Josaphat. Josaphat est le père de Joram. Joram est le père d'Ozias. Ozias est le père de Yotam. Yotam est le père d'Akaz. Akaz est le père d'Ézéchias. Ézéchias est le père de Manassé. Manassé est le père d'Amon. Amon est le père de Josias. Josias est le père de Yéconia et ses frères. À ce moment-là, on emmène les Israélites prisonniers à Babylone. Après cela, Yéconia est le père de Shealtiel. Shealtiel est le père de Zorobabel. Zorobabel est le père d'Abihu. Abihu est le père d'Éliakim. Éliakim est le père d'Azor. Azor est le père de Sadoc. Sadoc est le père d'Akim. Akim est le père d'Éliud. Éliud est le père d'Élazar. Élazar est le père de Matan. Matan est le père de Jacob. Jacob est